Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, je vous sens en forme ce soir. Ah, c'est fort dommage qu'il n'y ait pas un sixième jour, parce que alors là, demain vous auriez défoncé la scène là. Bon, j'attendais simplement que les derniers billets soient vendus, voilà, tout simplement parce que ce spectacle, ma foi, ce final a un très très gros succès et je suis ravie de vous avoir aussi nombreux ce soir. Merci à tous et bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois sur cette salle du festival. Alors, septième édition qui s'achève ce soir, malheureusement, bon, on fait bien une fin. Je pense qu'on a été très très, très contents et vous aussi de la programmation. On a eu plein de jazz différents, voilà, comme d'habitude, on a essayé d'être complètement éclectique. On a abordé des jazz que vous n'avez jamais vus à Cavalaire, ça en a perturbé certains, ça en a certainement ébahi d'autres. Voilà, il faut toucher à tout et on essaye de vous ouvrir justement à plusieurs courants de jazz. Voilà. Et puis, pour notre finale, donc, nous avons toujours, depuis 7 ans, l'habitude de faire participer une grosse formation pour le final. Et bien, cette année, nous avons une formation exceptionnelle, emmenée par un chef de chœur qui s'appelle Claude Tissandier. Alors, Claude Tissandier, pour ceux qui étaient là il y a quelques années, quand nous avons reçu Claude Bouly, qui était parrain, et bien, Claude Tissandier faisait partie de l'orchestre, donc il est déjà venu à Cavalaire. Il est entouré de quelques musiciens, dont le fils d'ailleurs de Pierre Richard. Alors, on fera un petit jeu, vous devinerez qui c'est. Je pense que vous allez le reconnaître assez rapidement. Et puis, nous avons aussi quatre danseurs sur scène, dont le chorégraphe Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, si vous avez vu le film The Artist, c'est le chorégraphe de Jean Dujardin dans ce fabuleux film qui a été nominé plusieurs fois. Et puis, bien sûr, une chanteuse, et une chanteuse que vous avez déjà vue aussi avec l'orchestre de Claude Bouling, Fabi Medina. Voilà, une formation exceptionnelle qui travaille depuis 6 ans ensemble et qui va nous inviter ce soir à un merveilleux voyage dans les plus grands standards du jazz. Vous allez, j'espère, vous amuser. Il y a un petit entracte pour, bien sûr, vous rafraîchir, parce que je vois que vous avez un petit peu chaud, moi aussi. Alors, un petit entracte pour vous rafraîchir, et puis après, on recommencera une deuxième partie. Voilà. Profitez bien, amusez-vous et j'espère à l'année prochaine. Merci. We'll be right back.
Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue au Cotton Club, le club le plus chic et le plus à la mode de Harlem des années 30. L'orchestre, c'était l'orchestre de Cab Calloway, Jimmy Lunceford, Louis Armstrong et surtout Duke Ellington. Duke Ellington a marqué vraiment cette époque et surtout avec un style nouveau qu'il a inventé lui-même, ça s'appelait le style jungle, la jungle. Pourquoi ? Parce que les trompettistes et les trombonistes allaient de sourdine imiter les cris des animaux de la jungle. De toute façon, les gens de l'époque, oui, l'exotisme, c'était certain. Voilà donc une petite illustration de ce que je viens de vous dire avec un morceau qui s'intitule The Mooch, bien sûr. The Mooch. Thank you.
savez, c'est très simple de faire le style jungle. Vous prenez une sourdine, montre la sourdine. Je suis sûr que vous avez une sourdine comme ça chez vous. Peut-être qu'il vous manque la trompette. Ah bon, vous pouvez l'acheter. Voilà, revenons un petit peu à Duke Ellington, qui est un compositeur extraordinaire, mais par moments, il laissait la bride à ses musiciens qui lui apportaient des compositions nouvelles. Et le morceau que nous allons jouer maintenant, qui s'appelle Perdido, a été composé par un de ses trombonistes, qui s'appelait Monsieur Juan Tizol. Il était portoricain, il est resté très longtemps avec Duke Ellington. Voici donc Perdido, ça faisait à peu près comme ça. Piano, M. Patrice Autier. À la contrebasse, Jean-Pierre Rebillard.
à la batterie Alain Chaudron. Trompette Gilles Berthelier. Le saxophone ténor Olivier Desfaïs. Ça, c'est une acte de clarinette Petit Sandier. Le corps de mon club, bien sûr, il n'y avait pas que l'orchestre, il y avait aussi des chanteuses qui sont devenues parfois très célèbres. Ella Fitzgerald, Ethel Waters, Lena Horne, et j'en passe. Hein. Mais ce soir, nous avons Fabi Medina. Fabi Medina. Shining, dancing, dining, someday in the restaurant.
smoking, drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalant, diamond shining, dancing, dining, we someday in a restaurant. He asks for you. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez bien? Pas trop chaud? Je vois que vous avez prévu les petits éventails, c'est très bon. C'est une très bonne idée. Alors, écoutez, pour le prochain titre, qui est un titre de Georges Gershwin, qui s'appelle Soin de faux, j'ai besoin de quelques choristes. Est-ce que vous voulez chanter avec moi? C'est un petit oui, hein, quand même. Est-ce que vous voulez chanter avec moi? Oh, merci. Alors, on va faire une petite répétition. Est-ce que je peux avoir un si bémol? C'est très simple, les paroles sont très belles et très positives, ok? Ça fait « Swan le faux » Oui, pardon, vous répétez juste après moi, en rythme. « Swan le faux » Parfait le rythme. « Smileless » Mais vous avez déjà fait de la chorale ou... Un peu, hein? Je crois que ça, c'est... Ouais, hein? Ça fonctionne. Ensuite, je dirai quelques mots et on fera « Something nice » Oui, c'est un peu plus difficile. Something nice. Paradise. N'oubliez pas la chorégraphie. Merci. Yeah.
you care for me. Simply nice. Voilà, après l'orchestre, le chant, évidemment la danse, on va faire venir maintenant ce qu'on appelle les chorus girls, les chorus line. Pourquoi? Parce qu'elles étaient toutes en ligne tout le temps. Et voici donc la chorus line du Cotton Club Show, et sur un titre que vous connaissez tous, c'est le fameux Sing 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 de Benny Goodman. Sing Sing Sing.
Anne, Florence, Lucie, Mathilde. Voilà, toutes les chorégraphies que vous verrez ce soir ont été écrites et composées par un très grand musicien, parce qu'il est musicien également, un talentueux danseur, claquettiste, et qui maintenant fait une carrière internationale depuis le film The Artist, puisque c'est lui qui a enseigné à Jean Dujardin de faire quelques pas dans ce film-là. Je vous demande d'accueillir monsieur Fabien Ruiz. Fabien Ruiz. Florence et Lucie pour Just in Time. Just in Time.
Christine Florence et Jesse Time. Voilà, tout à l'heure, vous l'avez vu danser, maintenant vous allez la découvrir chanteuse avec une voix tout à fait particulière. Mathilde Ferry, Mathilde Ferry. I'll tell you what's about. You know I'm gonna lie.
Surtout avec les costumes. À tout à l'heure pour la deuxième partie, là on s'est un petit peu chauffé, la deuxième partie est beaucoup mieux. C'est ça. Je vous rassure.
Thank you.
nous avons commencé avec deux compositions de Duke, ça s'appelait Night Friend et Cotton Tail. On va retrouver, dans un registre plus mélodieux, Fabi Medina, qui va jouer I Let a Song Go Out of My Heart, de Duke et Duke. Together, I'm ringing all
Spécialement pour la revue du Cotton Club, et elle a eu un tel succès que Hollywood Center Paris a fait le film, peut-être certains d'entre vous l'ont vu. C'est un film extraordinaire sur le jazz, il y a plein d'artistes, il y a des danseurs formidables, Nicolas Brothers, il y a Lena Horne, et on y voit aussi un pianiste fabuleux, Monsieur Fats, voilà, Fats Waller, avec une petite formation vraiment extraordinaire. Si vous voyez ce film, je sais qu'il est sorti en vidéo, ça s'appelle Stormy Weather, comme la chanson, et c'est vraiment un film sur le jazz formidable. En parlant de Fats Waller, Fabi va chanter une des compositions de Fats qui s'intitule On a Second Rose. Don't
féminin, Patrice Chauquier. Voilà, on retrouve Florence et Lucie dans une composition qui s'intitule Crazy Rhythm, tout un programme. Ellington est certainement le morceau le plus connu de son répertoire, Caravan. Voici Caravan et avec Mathilde Ferry. Mathilde Ferry, Caravan. Shines upon her heart.
I'm here.
Et nous retrouvons maintenant le maître des claquettes, Monsieur Fabien Ruiz. Fabien Ruiz. Je vous dis juste un petit mot avant d'improviser sur cette très belle mélodie, puisqu'il s'agit d'une petite valse que vous connaissez certainement. C'est une valse tirée d'un film très important dans l'histoire du cinéma, puisque en 1938, Monsieur Walt Disney, qui était un jeune réalisateur producteur de l'époque, a réussi un pari un peu fou. Il a décidé de faire le premier long métrage en dessin animé de l'histoire du cinéma. Tout Hollywood, bien sûr, l'a complètement déconseillé. Il lui a dit que personne ne resterait plus de 7 minutes dans une salle de cinéma à voir des personnages de dessin animé s'animer sur un écran. Pourquoi 7 minutes? Parce que c'était le format traditionnel de l'époque, des courts-métrages, Mickey, Popeye, Petit Bout. Et il s'est quand même lancé dans cette aventure qui a duré 5 ans et le résultat a été au-dessus de ses espérances puisque c'était un véritable triomphe. Blanche-Neige et les 7 nains, premier long métrage d'une histoire du cinéma. L'Académie des Oscars lui a remis pour cela un trophée tout à fait spécial puisqu'il a reçu des mains de Shirley Temple, la petite fille star d'Hollywood, un Oscar accompagné de 7 petits Oscars à côté. Et cette très belle petite valse sur laquelle je vais improviser, vous la connaissez, donc ça s'appelle « Someday my prince will come ». Sur une scène, quand on entend le son des claquettes, on ne connaît pas toujours bien cette discipline. On la connaît beaucoup par le cinéma, bien sûr. C'est ce qui a permis le 7e art de connaître, de répandre un petit peu partout dans le monde les claquettes. Mais c'est rare de voir, c'est vrai, des claquettes en direct sur scène. Donc je me permets de vous montrer mes chaussures. Voilà. Une chaussure de claquettes, ce sont deux plaques de métal
Il y en a une fixée sous le talon, une fixée sous la pointe avec des petites vis. Voilà, qu'on serre dans la semelle en cuir de la chaussure. Et puis avec ces quatre petits bouts de fer, on commence à apprendre un alphabet. En fait, l'alphabet des claquettes, c'est un alphabet à la fois rythmique et un alphabet de mouvement. J'emploie exprès le terme d'alphabet parce que dans un alphabet, il y a peu de lettres. 26, par exemple. Et après, il y a des milliers de mots. En claquette, c'est pareil. On croit, quand on voit quelqu'un danser comme ça, en faisant cette discipline, qu'il y a des centaines de pas. Pas du tout. Il y a très, très peu de pas de claquette. Je peux vous en montrer quelques-uns pour que vous compreniez ce que c'est qu'un... une première initiation aux claquettes. Si vous inscrivez dans un cours de claquettes, par exemple, et je vous y engage, il y a d'excellents cours ici à Toulon, dans la région de Toulon, il y a des très bons cours de claquettes, et vous allez apprendre les pas de base. Les pas de base, je vous les montre, il y en a peut-être une dizaine, et une fois que vous avez appris ces pas de base, c'est un peu comme en musique, il y a 7 notes, puis après on les combine ensemble et on obtient des tas de morceaux. Alors, premier pas qu'on apprend, par exemple, c'est à marcher sur la pointe du pied, ou marcher sur la pointe sans poser le talon. Ça, c'est un pas de claquette, ça s'appelle un step. Voilà, là, je fais des steps. Déjà, avec ça, je peux faire des petits rythmes. Hein. Ensuite, j'apprends à poser les talons. Ce qui est un son un peu différent, bien sûr, puisqu'il y a tout le squelette du corps, il est sur le talon. Ça s'appelle un heel, qui veut dire talon en anglais. Donc déjà, si je combine les deux, le step et le heel, j'ai première petite syllabe qui se décompose. Step, heel, step, heel. Vous voyez, je peux jouer déjà avec deux notes. Après, donc ça, ce sont des mouvements verticaux, le step et le heel. Après, j'ai des mouvements horizontaux, par exemple celui-ci. Donc c'est le fer qui est à l'avant de la chaussure, qui est sur la pointe, qui va tranquillement frapper le sol. Ça, c'est un pas également de claquette qui s'appelle un brush. To brush, qui veut dire brosser, balayer, je balaye le sol. Vous voyez, je fais des brushes. Alors par contre, là, je ne peux pas avancer. Il faut toujours un step pour pouvoir avancer. Le brush, il est statique. Alors je vais lui rajouter le step, ça va donner ceci. Brush, step, brush, step, brush, step. Comme j'ai appris à faire le talon, ben je peux le rajouter. Hein. Brush, step, in, brush, step, in, brush, step, in. Je peux le faire en arrière, bien sûr. Brush, step, in, brush, step, in, brush, step, in, brush, step, in. Vous voyez que c'est vraiment un alphabet. Hein. Il y a chaque pas fait un son. Alors ça marche toujours en anglais. C'est-à-dire que quand on apprend un cours de claquettes, on apprend un peu comme en musique, on apprend les noms des notes. C'est très important de savoir comment chaque note s'appelle pour pouvoir communiquer, pour pouvoir lire la musique, pour pouvoir raconter à quelqu'un d'autre son pas. Donc très important de dire brush, step, heel, parce que les mots anglais ont un son, brush, step, heel. Si je le dis en français, ça va faire balayer, pointe talon, balayer, pointe talon, balayer, pointe talon, balayer, ça ne marche pas du tout. Brush, step, heel, brush, step, heel, brush, là on entend. Une fois que j'ai appris tous ces pas qui ont un son, alors il y a par exemple le stamp, stamp c'est le plat du pied, stamp, on colle un timbre, stamp. Il y a le dig, dig c'est la pointe du talon, to dig en anglais c'est creuser, je creuse. Donc c'est toujours très imagé, hein. Le toe, toe c'est les orteils, toe, qui a un son différent. Donc tous ces pas-là qu'on apprend, donc il y en a une dizaine, ont un son. Après je les combine, comme vous avez vu par exemple le brush step heel, je peux les combiner en les rapprochant vraiment pour faire une syllabe. Comme vous prendriez deux lettres, par exemple le A et le B, par exemple vous faites B, A, B, A, ben ça, si vous lisez BA, vous ne dites pas BA, vous dites pas. Et bien là c'est pareil, je prends un brush avant avec un brush arrière, mais je les rapproche beaucoup. Au lieu de faire brush, brush, je vais les coller. Et là, je ne vais pas dire brush, 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 parce que ça serait idiot. Je lui donne un autre nom, et ça s'appelle un shuffle. Et là, je viens deux syllabes. Shuffle, shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle, go. Shuffle, step. Shuffle, step, go. Et là, je vais pouvoir commencer à écrire ma chorégraphie de claquette et à la faire lire, ou à l'apprendre à quelqu'un d'autre. C'est comme ça, exactement comme une partition de musique. Et ça se transmet beaucoup oralement, bien sûr. Comme par exemple, je vais vous faire une petite phrase pour que vous compreniez un peu toute l'histoire. Qu'est-ce que je peux vous faire Par exemple, je vais vous faire brushing, shuffle, step, fall up, shuffle, up, step. Voilà, ça c'est une série de pas. Brushing, shuffle, step, fall up, shuffle, up, step. Et lorsqu'on dit, sans faire de claquettes, on dit simplement les noms, déjà on doit entendre le rythme. Brushing, shuffle, step, fall up, shuffle, up, step. On entend une rythmique, je vous montre ce que ça fait. Brushing, shuffle, step, fall up, shuffle, up, step. Ce qui fait que quand je fais mes frappes sur le sol, comme un musicien, parce qu'en fait je suis percussionniste des pieds, comme un musicien, je chante dans ma tête la rythmique. Et c'est comme ça que je peux faire une improvisation, comme je fais quand je suis tout seul, ou une chorégraphie avec d'autres partenaires. Voilà. Alors après, il y a les pas qui sont des combinaisons toutes faites, qui existent depuis longtemps. Il y a une combinaison, par exemple, que j'aime beaucoup,
qui existe depuis le début des années 30. Personne ne sait qui l'a inventé, mais c'est très pratique. C'est une combinaison de 4 pas. Je vous le montre un peu. En plus, ici, vous avez une discipline au bord de la mer qui s'appelle le paddle. Mais justement, cette combinaison de pas s'appelle un paddle. Parce que justement, c'est un peu comme si on ramait à droite et à gauche. Donc, c'est un dig, la pointe du talon, le dig. Une fois que j'ai creusé, tout dig creusé, ben je balaye, brush, dig, brush. Troisième pas, je vais poser le pied, step, ce qui va me permettre de changer de côté. Et il me reste le talon qui est en l'air. 4 sons. Dig, brush, step, heel. Ça, c'est un paddle. Et après, je passe de l'autre côté. Dig, brush, step, heel. 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 Vous voyez cette impression de ramer à droite et à gauche. Dig, brush, step, heel. 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 Il y a un moment donné où j'arrive plus à dire, parce que les pieds vont plus vite que la parole. Du coup, effectivement, je ne vais pas dire à des partenaires ou à des élèves, faites-moi des dig brush tapis, dig brush tapis, non, faites-moi des paddles. Et l'élève qui a appris au cours précédent ce qu'est un paddle, il sait qu'il doit faire dig brush tapis. Et après, ça va tout seul. Voilà, il y a toujours une petite frappe. Vous voyez, c'est pas très compliqué, t'inquiète. Alors, là où ça devient un petit peu plus difficile, c'est quand on arrive, on va dire, en troisième ou quatrième année de claquettes, parce qu'il y a certains pas qu'on doit faire. Alors comment dire? Quand vous marchez dans la vie, vous vous en rendez pas compte, vous faites ça naturellement, vous posez un pied, et puis vous posez l'autre. Mais pourquoi on pose le premier? Vous allez me dire, pour avancer. Oui, mais on pose surtout le premier pied pour pouvoir décoller l'autre. Parce que si les deux pieds sont au sol, on n'avance pas. Donc le principe c'est ça, c'est je pose un pied et je décolle l'autre. Autrement dit, il y a toujours un pied au sol. Mais quand vous vous dépêchez, que vous passez du pas à de la marche à la course, parce qu'il faut aller vite, il y a une troisième étape, qui est l'étape où il n'y a aucun pied au sol, où vous êtes en l'air. Je ne peux pas vous la montrer parce que je ne peux pas rester longtemps en l'air, mais vous voyez le principe, je décolle mon pied, mais il y a ce moment où je suis en l'air. Et quand je fais des claquettes, et bien si je ne frappe jamais le sol quand je suis en l'air, on va toujours avoir le même rythme ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, mais si je veux faire ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, il va falloir que j'apprenne des pas de claquettes où je frappe le sol alors qu'aucun pied n'est en position posée sur la surface du sol. C'est un peu abstrait ce que je suis en train de raconter, je vous explique concrètement comment ça se passe en vous montrant par exemple un de ces fameux pas où le poids du corps n'est pas posé au sol mais je dois quand même frapper le sol, ça s'appelle un pullback. Donc quand je dis pullback, j'entends deux syllabes. Donc je sais que je vais avoir deux sons. Pullback, tiré en arrière. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pullback? Eh bien, c'est la pointe du pied, donc le fer qui est à l'avant, qui va frapper le sol, puis se poser. Vous allez me dire, bah, c'est pas difficile, il suffit de faire ça et puis ça. Oui, mais la difficulté, c'est que je suis en train de courir, par exemple, donc l'autre pied n'est pas là, il est en l'air. Et il faut quand même que je fasse ces fameux deux sons du pullback. Je vous montre ce que ça fait. Alors c'est un pas qui est très très long à apprendre. Il faut au moins 6 mois, parfois plus, pour réussir à sortir un pullback. Très souvent, on commence à apprendre en s'appuyant avec les bras sur une barre, si on est dans une salle de danse ou sur le dossier d'une chaise par exemple. Et là, avec tout son effort, on essaie de décoller, de frapper le sol et d'atterrir. Je vous montre ce que ça donne, au bout de quelques années de pratique, le fameux pullback. Alors attention, donc ce pied-là, bah, je l'enlève hein, forcément. Et ça donne ceci. Magnifique pullback. Merci beaucoup. Alors, je vous sens un peu déçu. Vous attendiez peut-être un salto arrière. Des années de travail pour faire ce minable petit son. Je vous le refais, regardez bien. Magnifique pullback. Alors, comme maintenant vous appréciez le pullback, je vous le fais des deux pieds. Le pullback des deux pieds n'a strictement aucun intérêt, puisque je fais la même chose qu'avec un pied en utilisant les deux. Par contre, là où ça peut être un petit peu intéressant, c'est si justement je profite d'utiliser les deux pieds pour les décaler. Pull, pull, back, back. Et d'obtenir 4 sons. Donc je m'élève, pendant que je suis en l'air, je fais le pied droit, puis le pied gauche, et après j'atterris à droite, puis à gauche. Ça donne ceci. Petite série de double pullback. Et voilà. Eh bien, je vous propose de récapituler tout ce qu'on vient d'apprendre. Je fais une petite révision de tous les pas de claquettes.
Monsieur Fabien Ruiz. Nadine, Lucie Fondant. Voilà, nous avons terminé ce spectacle avec un titre Luke Lipton qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire. C'est ça, le titre c'est en anglais. It don't mean a thing if he hadn't got that swing. Tout ça ne veut rien dire si ça ne swing pas. Luke Lipton.
journée.